Je dirais d'abord que plus que Hamlet, c'est Shakespeare en fait qui m'a inspiré. Parce que je pense que c'est l'auteur le plus ouvert, enfin qui ouvre, je dirais, le plus à la métaphore plastique. Alors, Hamlet, parce que aussi, il ne contredit pas ce concept, mais par ailleurs, c'est une pièce qui a été jouée de nombreuses fois depuis une centaine d'années, et je trouvais intéressant de profiter de cette opportunité pour, disons, parallèlement, montrer un petit peu ce qu'a pu être l'histoire scénographique depuis la fin du siècle dernier. Voilà, enfin en deux mots, mes raisons. Moi, je sais qu'il m'est arrivé deux fois de refuser de faire un spectacle, tout simplement de manière tout à fait agréable, enfin, sans problème, parce que la manière dont je voyais le texte ne correspondait pas du tout à celle dont le metteur en scène envisageait de la monter. Et je trouve ça, disons, un premier élément très intéressant. Bon, par ailleurs, il est vrai que c'est pour un scénographe quand même l'élément essentiel pour son inspiration, pour la création même de ses éléments plastiques. Enfin, c'est un texte évoque facilement une couleur, une forme, a des références imaginées ou recherchées, par exemple dans la peinture. Je sais que je me souviens que pour un spectacle que j'avais monté en Suède avec Thomas Kretschmer, oncle Vania, c'est dans la tirade de Astrophe à propos de la mort de la forêt que j'ai trouvé l'essence même, la substance même du décor. Quant à savoir, la forêt était devenue un élément parallèle au décor qui était montré sur scène. Je vais créer une espèce de forêt en coulisses qui se reflétait par un jeu de miroir sur scène, et elle était présente à certains moments. Et cette idée en avait entraîné d'autres pour le metteur en scène, notamment celui de la vie domestique, de la vie parallèle, cachée. C'est vraiment cette tirade de Astrophe qui m'avait inspiré. Je dirais que dans d'autres domaines, notamment dans le cinéma, le texte est un aspect plus fonctionnel. Moi, j'ai une anecdote qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas très exemplaire de ce que je veux dire, mais qui est une anecdote qui est amusante. C'est quand je faisais le décor de Molière, du film d'Ariane Mnouchkine, il y avait une phrase comme ça qui occupait une ligne du scénario, qui était le doge de Venise offre des gondoles à Louis XIV pour parvenir à Versailles, elles traversèrent les Alpes. Alors, c'était très amusant de voir ce que cela entraînait en fait. L'image, bien sûr, tout le monde, enfin ceux qui l'ont vu la connaissent, mais cette simple phrase, comme ça, avait entraîné un travail formidable en coulisses de recherche, de dessin, d'esquisse, de réalisation par des menuisiers, par des sculpteurs, les peintres qui posent la feuille d'or, etc. Sans oublier les difficultés qu'on a eues à monter des gondoles à 2000 mètres. Et quand je me rappelle toujours cette anecdote, parce que je fais le rapport direct entre cette petite phrase, comme ça, au milieu de la page d'un scénario, et ce travail. Je pense à l'avare où la paranoïa de Harpagon n'est pas évidente, mais qui m'avait été suggérée par Otto Markrelscher, et pour lequel j'avais imaginé un décor qui figurait des personnages de l'époque dont les yeux étaient, les regards, je veux dire, étaient orientés de manière permanente, il s'agissait de peinture, sur le centre de la scène, c'est-à-dire sur Harpagon. Enfin, oui, en effet, c'est beaucoup plus une transposition ou une interprétation, disons, d'un texte, en effet. Finalement, les indications que j'en avais tirées du texte lui-même étaient la transparence était vraiment directe, enfin, à la limite de la naïveté d'ailleurs,
de la transparence du palais, de la maison de Célimène, transparente parce qu'elle est envahie, je dirais, et aussi de la brillance, enfin de l'aspect festif comme ça de son palais. C'est pour ça que j'avais trouvé cette idée de maison de verre, en quelque sorte, oui, en effet, oui. Je pense à Siano, par exemple, avec Ariane Mnouchkine, où l'idée de Cambodge, évidemment, était très, très forte, très présente, plus que le personnage, je dirais. Et les matières, les formes étaient essentiellement inspirées par le Cambodge. Pour moi, le décor a été fait autour du Cambodge, parce que Siano incarne le Cambodge, bien sûr, mais essentiellement autour du Cambodge, oui. J'ai évité tout exotisme, enfin, mais les matières, la terre crue, la terre cuite, c'était, enfin la terre cuite plutôt, et le bois étaient, je dirais, les deux matières qui ont été, qui sont l'essence même, enfin, du pays. Il y a l'aspect direct qui est poétique, mais direct, encore une fois, comme Vania, il y a, je dirais, un second degré qui est celui évoqué par l'ensemble du texte. Dans certains autres cas, je dirais que le texte est plus fonctionnel. C'est beaucoup plus courant, d'ailleurs, dans le cinéma. Enfin, moi, je sais qu'il y a des scénarios, dans La vie et rien d'autre, Tavernier, sur une scène, à propos d'une scène, Cosmos avait décrit un foisonnement d'activités dans des bureaux installés, dans des loges de théâtre, dans les foyers du théâtre. À cette époque-là, tous les restaurants étaient dans des ruines, la préfecture était dans le théâtre, enfin, tout était déplacé, si tu veux, il n'y avait plus. Rien n'était vraiment à sa place normale. Et j'avais imaginé, mais aussi parce que je suis architecte de théâtre, qu'on pouvait créer au-dessus de ces fauteuils un immense plancher sur lequel on mettait tous ces bureaux, ces petits box, comme ça, qui était aussi une opportunité de plan intéressant. Et ça avait été vraiment directement inspiré par les trois lignes que Cosmos avait écrites à propos de cette activité extraordinaire qu'il y avait dans cet endroit qui n'était absolument pas destiné à recevoir cette activité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été en effet tourné. En ce moment, je suis en train de préparer un film pour Colin Serrault où il y a une séquence assez un petit peu théâtrale, où il y a une scène qui se passe dans un cabinet d'attente de médecins et dans la salle d'accueil de mon appartement qui est un médecin. Dans l'autre, il y a les gens, la salle d'attente, et il y a une espèce de renvoi comme ça, de réplique, de regard entre les deux situations, entre les personnages, et ce simple aller-retour comme ça de réplique m'a entraîné à construire, ça sera fait en studio, un appartement dont les murs permettaient de renvoyer, comme au théâtre, de renvoyer, comme un décor au théâtre, de renvoyer un personnage sur l'autre, une réplique sur l'autre, etc. C'est la lecture directe du scénario, c'est la manière dont il est écrit, non pas la manière dont sont décrits les mouvements de caméra, puisque ça ne l'est pas, mais tout simplement la façon dont c'est écrit que j'imagine une architecture. Dans ce cas-là, c'est direct. Je pense d'ailleurs que le théâtre et le cinéma ont ceci de différent, que le cinéma traverse une période, depuis longtemps déjà, très réaliste, alors que le théâtre est beaucoup plus transposé, beaucoup plus métaphorique en effet. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, dans les années 30, je n'étais pas plus inspiré par une certaine forme d'expressionnisme. C'est une question de période, quoi. Le cinéma, en ce moment, est comme ça. Mais c'est intéressant, j'aime beaucoup ça.
un petit peu à la manière dont j'aime bien transformer, moduler, assouplir une architecture existante, soit pour construire un théâtre, soit pour tout simplement un décor de cinéma aussi. J'aime bien jouer avec ça, c'est-à-dire interpréter le texte, mais pour le servir mieux, quoi. Il y a quelques metteurs en scène de cinéma, en effet, qui le disent, qui aiment bien travailler avec des gens de théâtre, enfin certains, pas tous, parce que ils ont l'habitude, je parle essentiellement des scénographes, des décorateurs, ils ont justement cette habitude du texte. On sent que leur métier, c'est l'interprétation du texte et le respect du texte, finalement. Autre qualité qu'ils leur trouvent généralement, c'est qu'ils vont à l'essentiel, c'est-à-dire ils choisissent de façon, je dirais, pertinente une couleur, un volume, un accessoire, parce qu'il est parfaitement adapté, c'est ça que j'appelle essentiel, en fait, parfaitement adapté à la situation ou au personnage qui joue devant. C'est en effet souvent les décorateurs de théâtre ont cette qualité. Entre le moment où on a lu la pièce ou le scénario et celui où on met en scène, où on montre le décor, le spectacle, il s'est passé tellement d'autres choses contraignantes, des compromis plus ou moins, qui fait qu'on a tendance un petit peu à oublier ce cheminement qu'ils ont entre le texte et la dramaturgie, mais la scénographie. Mais les deux moments finalement où on le sait, où on le sent, où on le vit, c'est tout à fait au début et en effet tout à fait à la fin pour le vérifier, bien sûr. Je suis très attaché c'est pour moi un lieu est très important, je dirais aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Bien sûr. Mon expérience au Théâtre du Soleil est très importante hein, dans cette façon de voir les choses parce que je me suis rapproché de l'architecture à partir du moment où chaque spectacle supposait une réarchitecture, une refonte de l'architecture pour chaque réalisation. J'aime beaucoup m'appuyer sur une architecture existante, y compris au théâtre, dans un théâtre traditionnel. J'aime bien reprendre pour le décor, j'aime bien reprendre sa géométrie, sa trame, ses couleurs, ses formes. J'aime bien l'intégrer, ne pas en faire un objet étranger. Bon, dans le cinéma, c'est encore plus vrai, puisque très souvent, je fais des décors qui s'appuient sur d'autres décors, d'autres architectures qui existent. J'aime bien les modifier complètement. J'aime bien aussi d'ailleurs l'étonnement du metteur en scène ou du producteur avant même que le travail ait commencé, quand il faut savoir qu'ils ne savent pas très bien, ils n'imaginent pas en effet qu'est-ce que ça va devenir. Et j'aime bien jouer avec ça, j'aime bien jouer avec l'architecture existante, l'assouplir, la modifier pour qu'elle soit parfaitement adaptée à l'histoire qu'on va raconter et aux personnages, aux situations qui vont s'y jouer. C'est assez difficile parce que c'est un exercice qui est plus difficile dans la mesure où le théâtre doit être un outil qui sert à des œuvres qui ne sont pas nécessairement adaptées, elles, au théâtre dans lequel elles vont jouer. Alors, vie, un retour au théâtre dit traditionnel, alors que depuis une vingtaine d'années, on s'était habitué à d'autres choses. Quand je fais ce qu'on appelle une réhabilitation, je garde, je respecte profondément, et c'est là où est la difficulté de l'exercice, l'essence même, l'âme même du bâtiment, en la théâtralisant. Dans le domaine des théâtres qu'on appelle réhabiliter la piscine de Châtenay-Malabry qui pour le théâtre du Campagnol a été transformée en lieu de spectacle. La Halle au Grain de Blois qui a été transformée en auditorium pour la musique. La Grande Halle de la Villette qui a été transformée en lieu de spectacle mais aussi et beaucoup en lieu d'exposition. Je pense pas que
dans aucun de ces trois endroits, ces trois espaces, je n'ai trahi la substance essentielle de chacune de ces architectures. Dans le cas des spectacles, des bâtiments nouveaux, des bâtiments neufs, moi je m'efforce, je dirais que, à contrario, là, si je peux dire, je m'efforce à ce que l'espace scénographique, la salle, la scène soit un très bon outil, un très très bon outil. Mon activité, donc une partie de mon activité, c'est en effet d'être scénographe de spectacle, d'être décorateur de théâtre, et je suis souvent agacé par des petites erreurs qui sont faites dans le lieu même, enfin dans le lieu, dans l'outil même. Donc je suis très très vigilant sur cet aspect des choses. Enfin, un outil n'exclut pas une certaine esthétique. Je dirais même que plus un outil est performant, plus il est efficace, plus l'esthétique est juste. Alors, ça suppose en effet des relations avec l'architecte qui sont un petit peu particulières, mais j'ai affaire à deux types d'architectes en fait. Soit des architectes qui me disent, bon ben, tu fais la salle, la scène, et puis à partir de là, on conçoit une architecture, ce qui n'est pas rien. Soit l'architecte tient à faire lui-même la scénographie, je dirais. À ce moment-là, on l'assiste uniquement pour des raisons, pour des causes techniques. Mon plus grand plaisir, c'est que ce soit dans le domaine des décors, que ce soit dans celui de l'architecture, c'est de prendre un espace, enfin, de le transformer, de le modifier, de l'assujettir, et dans le cas du métier de scénographe, de l'assujettir au mot, au texte.